Depuis quelques années déjà, le monde du comédie ne jure que par Doudou. Ce youtubeur sénégalais a réalisé grâce à son talent une ascension phénoménale dans le monde du comédie, à tel point qu'aujourd'hui, il est l'un des youtubeurs les plus appréciés au Sénégal. Moïtul Makhalebi, Noir à l'enlèvement des enfants ou encore Khouloubi. Impossible d'être passé à côté d'un des nombreux vidéos du comédien. Et bien sûr, puisque le succès attire l'argent, le youtubeur possède une fortune qui s'élève d'aujourd'hui à plusieurs millions de francs CFA. Mais qu'en fait-il vraiment? Sa vie est-elle délurée que ses vidéos de voyage veulent nous bien le faire croire? Installez-vous confortablement. Nous vous offrons aujourd'hui une immersion dans la vie privée du youtubeur Doudou fait des vidéos. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Avant de rentrer dans le but du sujet et de vous expliquer le secret de Doudou, commençons à faire une petite retour sur la vie du comédien, son parcours et comment il a su gravir les marches du succès. Doudou fait des vidéos de son vrai nom. Mohamed Ndiaye est né le 26 janvier 1992 à Dakar. Il fréquente d'abord les bancs de l'école Khadim Rasoul puis à Ousmane Sosso Diop et à Saldia. Et il revient encore à Khadim Rasoul, c'est là où il a eu son bac. Et il continue ses études en études supérieures. À troisième année en marketing inspiré par les vidéos populaires de Vine, il décide de faire des vidéos avec seulement son smartphone. Le comédien entame sa carrière d'artiste en réalisant une vidéo sur l'épidémie d'Ebola en 2014 qu'il publie d'abord sur Facebook et puis sur YouTube. Cette vidéo fait des milliers de vues. Il poste encore des vidéos parodiques de chansons, danse sénégalais et autres tendances. En 2015, son vidéo Doudou et ses réalisations du français en Wolof le fera officiellement sortir de l'ombre. En décembre 2016, il poste des clips tels que Peint ton nez et s'en suivent plein d'autres tels que Sidem Mali, Bizim Peao, Yekatil Setoubey. Ces vidéos cumulent des centaines de milliers de vues, autant voir plus que certains rappeurs. À moins de 2 ans, Mohamed Ndiaye alias Doudou fait des vidéos et est devenu l'idole des adolescents sénégalais. Avec pour seul équipement un smartphone, une petite caméra et un ordinateur, ce youtubeur s'est fait un nom en publiant chaque semaine des vidéos loufoques, dans lesquels il théâtrise des scènes de la vie quotidienne des Sénégalais, pour faire des remakes, danses et sketchs à succès. Et s'est fait repérer par des gens de la stratégie digitale qui ont compris qu'il fallait s'adresser aux jeunes. C'est le cas de l'opérateur téléphonique Orange qui a signé un partenariat avec le jeune homme. Au fur et à mesure de sa popularité, sa qualité de contenu a connu une amélioration radicale, avec des vidéos plus longues, des histoires plus définies et plus avancées. Il innove également en proposant des mini-séries de vidéos avec les vidéos de Théo Fall, le père et le fils. L'inspecteur Ndiaye. Et autour de celle-ci, il crée un petit univers. Il commence à se produire en concert à travers le pays. Il fait les tours des écoles. À partir de là, son nom commence à résonner dans les oreilles des Sénégalais. Un nom qui va même voyager au-delà des frontières. En 2017 vient ensuite ses grands projets comme The Doudou Show à Sorano. Et il a réussi à remplir la salle. En 2018, il est invité à se produire au Parlement du Rire aux côtés de Digba Karabat Mama et Michael Gorou. Au Parlement du Rire, il présente son sketch Les Moustiques devant le public d'Abidjan. En mode menace de moustique quoi. Oui, je te pique. Je te donne le balai. Et lorsqu'il gagne en popularité, il réalise l'un de ses rêves qui est d'être acteur. Il joue ainsi dans la populaire série télé sénégalaise Pod et Marissou. Hey boy, con vrai. Nous menons des cafés de choram, non? Mais on ne demande pas beaucoup de café. Il continue de faire des vidéos et gagne un trophée de la part de YouTube. En 2019, il annonce le Doudou Show 2 au Grand Théâtre de Dakar. Deuxième édition, Doudou fait des shows. 6 avril Grand Théâtre, 19h l'a commencé. Dakar Makotot, Casablanca Makotot, Canal Pusak Makotot, faut des guerres Doudou Fayad. Chaîne connue pour être la plus difficile à remplir. Tout le monde croyait qu'il ne va pas la remplir.
et le nouveau prince de Dakar a réussi avec guichet fermé. Grand Théâtre, est-ce que ça va? C'est une première dans l'histoire du web sénégalais. Le youtubeur vient ainsi de franchir une étape importante de sa carrière digitale. Le Doudou Show 2 s'affiche complet avec beaucoup de fans de différents âges s'assistent aux spectacles. Le 13 août 2019, il franchit une nouvelle étape sur Instagram avec 1 million d'abonnés. En 2020, il fait des apparitions foudroyantes dans des séries et des émissions, comme sur les 4 fantastiques. Consultation par personne, personne n'a que 20 000 francs. L'or n'y a pas là. 3 millions ? Eh bon, il faut dire. L'or 200 000. Nous avons Diaspora, personne 50 euros. Si vous avez 10 personnes, de 500 euros. Faites 200 000, n'y a pas. 700 euros. L'ordre de 500 euros. L'émission Khamsa Dekk. Aujourd'hui, le youtubeur de 29 ans. Avec son sourire charmeur et son regard attendrissant, il a réussi à convaincre 467 000 personnes à s'abonner sur Facebook, 2 100 sur Instagram et 516 000 sur YouTube. Sérieusement, ce youtubeur a fait une brillante carrière. Que réserve l'avenir pour cet ambitieux homme? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications.